demande du KOF 14 également. Alors oui, wow. Ce que l'on va faire, ce que l'on va faire. Alors KOF 14, je sais pas ça. Ce que l'on va faire, c'est que peut-être j'ai pas vraiment le droit de vous diffuser les matchs, donc évidemment on va prendre des pincettes, surtout si Pierre-Adrien regarde actuellement le stream, mais on va vous mettre ceci qui va vous permettre en tout cas de voir à peu près où on en est. Rassurez-vous, je vais vous local record et vous uploader du coup tout ça juste après. Mais bon, ce sera évidemment vu en différé. Et évidemment, nous allons nous intéresser à ce top 8 puisque Kayane est dans le top 8 de Soul Calibur, puisque le jeu n'est même pas sorti. On a le droit quand même à du Soul Calibur d'ores et déjà là. Full screen, hein. Ça c'est la super, on est d'accord. Ah oui, ça fait super. Elle retire l'âme du cœur. Il fait de toi un sans cœur. Tu t'essayes de frapper. C'est fou comment avec les années ils ont toujours réussi à réussir le Shimitsu. Ah, elle se rappelle ça au fur et à mesure des rounds. Ah, c'est trop bien, je vais acheter le jeu. Parfait. Ah oui, mais là elle est vraiment. Elle est à poil, ça c'est pas très très beau frame. Ah, mais dès que 76 ans, le jeu est plus de 16 ans, d'accord. C'est des textures. On va se calmer. C'est des textures, mais c'est de plus en plus réaliste les jeux vidéo quand même. De plus en plus réaliste, ça c'est bien. Le lien, please, c'est twitch.tv/evo. Evo simple, pas Evo. Simplement Evo. Parce qu'il est plus simple. Garde Impact, il a bien déchopé là-dessus. Il y a les Korean Backdash à la Soulka. Ça dépasse vite, hein. Ça se regarde en bourrant la garde. Alors pourquoi ça se regarde en bourrant la garde? Parce que c'est quand même assez facile de déchopper dans Soul Calibur, en vrai. Comme la plupart des jeux de combat 3D Namco, dans Tekken, vous voyez pas beaucoup de shops parce que quand elles sont tentées, c'est souvent des choses. On peut déchopper avec n'importe quel des shops. Oui, c'est ça. Il n'y a plus à regarder si c'est l'avant-bras gauche ou droite. Ouais. Et ça permet surtout le repositionnement. Donc là, vous voyez, dans Soul Calibur 6, vous avez un système de barres de super que vous pouvez voir en haut, qui permet aux joueurs d'exécuter une super attaque n'importe quand lorsqu'ils arrivent au quart de leur vie. Et ils ont la possibilité d'activer la Soul Charge et donc de briller de mille feux pour comeback convenablement dans la partie. Run Counter, Guard Impact, Ukeki, les deux hit combos bien classiques de Soul Calibur. Il y a combien de boutons sur son stick à ça? C'est violent, ça pénale le truc. Et deux partout entre le truc et Biako. Ah, c'est incroyable. Donne-moi ton âme. C'est quand même un la vie, hein. Gros tir. C'est agréable. Hein. Voilà. Très agréable. Encore, non, encore il a vu, mais c'est safe. Ouais, ça, non, a l'air d'être ça a l'air safe. Positif. Mais c'est n'importe quoi. Il a tapé après, quoi. Ouais. C'est garanti, genre full screen. C'est full screen, full screen positif. Tu fais n'importe quel mouvement, il te met super. Bon, et c'est un bouton. Ça doit être pas. C'est un bouton, hein. T'as pas de manip à faire. Non. Il y aura un bouton, non, je crois pas. Ouais, c'est un bouton, c'est un bouton. N'importe quoi. Vu qu'il tape avant, comme c'était... Ça, mais avant, c'était des doubles quarts avant, mais les gens y arrivaient pas à les faire. C'est compliqué. Mais c'est quoi ce jeu? Bah, c'est un bouton, c'est un bouton. Un bouton et tout, quoi. C'est un bouton d'attaque. Même des raccourcis où c'est un bouton d'ailleurs. Ouais, mais non, mais pas. Il y a l'air quand même d'avoir énormément de feintes et de phases supplémentaires. Ce que j'ai vu, c'est vraiment le jeu des phases. Tu crois que je vais taper, je vais pas taper. Est-ce que je tape haut, est-ce que je tape en haut, en bas? Les déplacements pour faire whiffer les attaques. Est-ce qu'il tape horizontal ou vertical? Et là, avec tout le système de garde impact, de Soul Charge, ça a l'air de rajouter même encore plus de petites subtilités. Parce que tu sais, il en faut pas beaucoup à Soul pour que ce soit. Bah vraiment encore plus profond. Et c'est pas forcément une histoire d'exécution, tu vois. C'est pas vraiment un jeu où le problème c'est l'exécution, c'est vraiment l'anticipation des coups adverses et la position des joueurs. C'est là-dessus que j'ai l'impression que, eh bien, encore une fois, ce Soul 6 est assez exemplaire. Quand même un peu de patinage artistique, hein, sur certains steps. Je pense qu'ils vont l'améliorer, ça. Ouais, les persos ils glissent, ouais. Parce qu'on fait le difficile. Bien joué de hit. De hit, ça gagne. Kayane Futoma, Kayane est en demi-finale du tournoi, donc c'est encore mieux. Demi-finale winner. Et
Mais ça serait pas mal si elle pouvait justement nous remporter tout ça. Après, je dois bien vous avouer, elle a un peu pu jouer au jeu, mais elle joue sa Shangfa du 5. Hein. C'est les mouvements de la Shangfa du 5. Donc ce qui est important dans ce jeu, c'est bien se servir des mécaniques de Soul 6. C'est méga important. Vraiment. Là, voilà. Là, il peut utiliser la mécanique de comeback. Biako, je ne sais pas s'il aura le temps justement d'activer. Non. Il n'a pas le temps d'activer, il va se faire. Et après, il garde la barre pour après. Non, mais il n'y a pas de barre, c'est quand tu n'as plus de barre de vie, tu peux activer. Je pense regarde, quand tu dépasses le petit. Le petit barre de vie en jaune, tu peux activer. Tu le trivers pour la super. Voilà. Et quand tu es dans la dernière zone de ta barre de vie, tu peux activer un peu l'orage mode à la Tekken. D'accord, en fait, tu as deux comptes de. Et là, il paraît que ça gratte de ouf. Okay. On va survivre. Oui, vous avez pas le jeu, c'est normal, j'ai pas le droit de vous diffuser les images du jeu. Vous avez les barres de vie juste ici. Et on regarde juste après. Vous avez juste à vous mettre sur le stream Evo pour regarder le match synchronisé avec l'heure. Vous aurez tout en temps réel comme il se passe. La shop 1. Shop de Tekken 1, celle-là. Et donc là, ils peuvent l'activer. Ouais, d'ailleurs, ce serait pas mal de se décaler pour activer, mais essayer de tuer directement en tir, bien joué. Ils ont pas le temps, hein. Quand t'as plus de vie là, ouais. Quand t'es dans cette zone, c'est chaud. Regardez le nombre de boutons qu'il y a sur le stick. Ah ouais, du mec. C'est le truc, c'est. Ah, on a vu ça, comment ça s'appelle c'est un bouton. Accordéon. Tous les boutons de l'accordéon. Pour synchroniser, soit bah, vous utilisez le pause play. Soit vous lancez votre stream dans VLC, possible de lancer votre stream dans VLC. Faites pause play jusqu'à ce que le chrono soit synchronisé. Ouais, et après vous pouvez caler. Live streamer aussi vous permet de faire ça. Et oui, c'est live streamer. La force de Yoshimitsu permet de faire ça à l'eau. Soit... Ah, il est très en difficulté, la Biako. Et pourtant, il était sur le point hein, de prendre ce point-là. Il a l'air d'être un monde sans proue. Alors, est-ce qu'il va activer ses ressources ou non? Pour le moment, non. Si, ça va clignoter là, non? Ouais, mais il active pas. Il active pas, C'est Arcef en plus, c'est Arcef. Ouais, je sais pas, ça ressemble un peu. Très bon launcher. Pour la barre, voilà, là, ça y est, il a fait. Bon? Ouais, regarde, t'as vu ça? T'as vu? Ses attaques, elles font des petits coups de larmes. C'est ça. Je vois rien. Storm-là. Allez, sous le charge, mon gars! Ouah, il vient de péter l'armure et. Boum! C'est stylé! Oh, tu vois, sa barre de super se consomme durant la surcharge, tu vois? Ouah, tu vois, elle descend le pantin, à chaque fois que tu fais ça. Et t'as vu ce que tu peux utiliser? T'as vu, ça descend. Et hop là! Là, sa barre était pleine à Ivy, je comprends pas, c'est autre chose encore. Non, sa barre était à 2, elle l'a descendue, elle a refait une charge et tu vois, elle était à 1 et là ça descend. Et quand tu te fais toucher, ta sous-charge descend aussi. Voilà, tu peux activer comme ça. Deux façons d'utiliser la super. En sous-charge, ou avec ta super. Comme un max mode quoi. Exactement, comme un max mode. Tout à fait ça. Comme un max mode, tout à fait. D'accord. J'avais pas capté ça. Oh, mais il y a trois mécaniques, quoi, en gros. Il y a trois mécaniques. La furie, le max mode et la barre de vie quand elle est basse. C'est ça. C'est vraiment. C'est assez riche, on va dire. J'ai trop vu le coup de genou, là. Un partout, en tout cas. Je sais pas en combien qu'ils ont joué du coup ces finales là. Enfin, il fait horizontal, en mode tranquille. J'ai l'impression que la Ivy joue un poil mieux, mais le Shimitsu est juste assez safe pour pouvoir emmener loin et gagner quand même des sets. En pourtant, la range de Ivy a toujours été archi violente. Allez hop, petit coup de talon dans le thorax. Elle te regarde, hein, elle te regarde mal. Hein. La domination. Elle te regarde très mal. Voilà. Hey. Les dégâts sont là. Hein. Pas mal ça. Ah, il y a des sortes de couex. Hein. Ouais. Après, t'as aussi le truc de garde, ça te donne l'impression de. Tu sais, t'as un pari.
donne l'impression aussi, ça fait parfois un peu un coup X. Et ouais, il y a beaucoup de trucs dans ce morceau aussi. Et là tu vois, t'as aussi le peu garde impact, donc repousser les attaques en garde. Quand tu relâches le bouton de garde pile poil au moment où on va te toucher, il me semble. D'accord. Donc ouais, ça te permet de te donner un frame avantage assez conséquent. Y a pas de poison Yoshimitsu? Ah ça c'est la soul charge. Donc tu vois, t'es actif la soul charge, tu vois ta barre de super descend, et là tu vois les coups sont les coups, tu vois l'épée brille et les coups sont méga puissants, mais après évidemment il faut être il faut être, que ça soit garanti d'ouvrir la garde pour réellement piler les dégâts. Alors lui, à chaque fois qu'il semble que ça bouge, il a l'impression que ça bouge, il met la super au bout de l'écran. C'est sa phase officielle. Ouais, vu que c'est le début du jeu, pour l'instant, l'adversaire a pas de solution. Est-ce qu'un step marche? Est-ce qu'un compte marche? En même temps, moi, je vois ça, Kaine, elle peut tous les bourrer. Hein. Mais tous, hein, en vrai. Waouh, bien joué, la relevé kick est cassée par la balayette. Impeccable. Foot 6. Et dommage, ça a pas cassé la garde. Là, il peut juste le gérer de loin. Bien sûr. Le fouet. Et balle de 2-1 du coup pour Biako. Ah, la short speed. Elle est belle. Hein. Aussi, parce qu'il est en train de mal ramasser. Oh, balayette, il remet combo et la il a mal traité dans sa tête. GG, complètement GG. C'est Biako, ouais. 2-1. Il y aurait Moby sur le live, d'accord. Moby qui est dans la poule du coup de Valmaster, on rappelle. Donc, parce que Valmaster va jouer très sérieux, mais en tout cas, Moby. Ouais, maintenant, ça va être au tour de Kaine qui va pouvoir jouer son match. Nous sommes dans le tableau winner du tournoi. Ou à Harris et Markman en fait. Ah ouais. Ça met les gros. Et du poids lourd aussi. Les poids lourds sont là. Ah oui, ça y est, Pesangien. C'est vrai. C'est le grand ancien. Harris ainsi que... Ah, la pilosité, la mer barre du incroyable, temps. C'est incroyable comment c'est possible. Yamato, on est jaloux hein, de Harry. Surtout pour manger, je sais pas comment il fait. On voit même plus ses gènes. Et ça. Il arrive avec un petit peigne. Kayane. Ah, ça s'ambiance. Ah, lui, il a l'air d'être ambiancé. Bon, je pense qu'on commettra pas d'impair méable. Ah, sinon, j'ai pas le droit de montrer le match. Ça me démange important, mais. Vous savez que l'Evo, c'est trop de guac. Hein. Mais ils ont quand même donné un Yukata Team Orange. C'est petite lunette première de la classe. Elle a c'est mis ça. Le skill alternatif. Ça peut être d'accord quand même. J'avoue. Avec le petit stick DBZ. Boule de cristal. Est-ce qu'il y joue ou pas DBZ? Pour marquer le petit détail, hein, comme il n'y a que 7 boules de cristal, la dernière touche elle est vide. Ouais! Oui, c'est ça! Les détails sont prêts. Dernière touche orange. Et le réceptacle. Elle a tous les sticks de la terre. On lui offre tout de toute façon. C'est à Kayane. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est orange quoi. C'est orange, c'est pas dégueu quoi. Non c'est la télé. Et oui, elle joue avec le stick orange aussi. Bien entendu. C'est parti, Kayane pour la finale winner de l'Evo. Hein, gagner ça, ça donne la finale winner. Est-ce qu'il se met là? Je sais pas, il est chelou. Il fait peur. Oh, ils lui ont dit vas-y, ambiance tout le monde. Il est possédé. Il a la nuque longue, exactement comme moi quand j'oublie de me couper les cheveux. C'est super le charisme. Je connais pas ça. Ah mon pauvre. Ma nuque est toujours. Ta nuque est toujours. Ouais, toujours propre. Et dégarni. Voilà, ça ne pousse plus. Ouais, Moby a gagné. Ah. Très bien, victoire de Moby, impeccable.
Même pas un petit Astaros. Oui. Hein. Mais ça, c'est dans la character select screen, je trouve pas les personnages ouf, tu vois. Mais une fois en jeu, ça va vachement mieux. Non, c'est pas Maxi peut-être. Au moins, il joue à Judas. Au moins, il teste. J'avais pas dit que c'était avant dans l'histoire quand ils sont jeunes. Non, c'est un reboot. C'est un reboot, compagnon ? Ouais, normalement, c'est un reboot. D'accord. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Absolument ce qu'ils veulent. Genre, tout ce qu'ils ont fait au début, bah. Son adversaire joue Sophitia, il s'agit de Xepukai. Ouh, il commence sérieux, Xepukai. Ouh, il est tellement rentré. Launcher de loin, il esquive absolument le launcher de Kayane qui voit ni le jour ni la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Les mouvements de cette Sophitia ont été très rapides. Boum! Ah, c'est une feinte pour repasser le launcher derrière. Bonne esquive pour venir. Il y a une petite feinte avant. Le jeu launcher. De hit, 3 hits impeccable. On essaye de remettre sur l'Okizem et non, la gourmande. Trop gourmande. Trop gourmande là-dessus, en effet. En plus que tout va jouer en 2. Ça risque d'aller très vite. Mais Kayane est mal rentré dans le match. Mais après, la gestion était bonne. En tout cas, la fente fonctionne bien. Gabon, bon avant. Bah, c'est un dragon qu'elle a là, Sophitia. Oh, c'est son coup classique. Hein. Boum! Elle a compris le 3 hit combo, hein, Kayane, c'est bon. Donc là, elle a plus beaucoup de life. Il faudrait juste qu'elle utilise peut-être super. OTG, OTG. Elle se décale bien avec le tourniquet. Qu'est-ce qu'elle attendait là? Mais ouais, je pense qu'elle attendait. Je sais pas ce qu'elle attendait. Ouais. Alors, elle a gardé, ouais, elle a lâché la garde. Ses barres, là, elle a peu, elle a deux barres là de feuille. Ah, ça a réussi à déchoper, elle joue bien en face. Hein. Tellement bien. Hop. Ça va rendre ce coup. Ça joue à 3 coups. Hein. Ça joue à 3 coups. Mais c'est normal. Ah, le niveau est monté d'un coup, c'est vrai, comparé à l'autre match. C'est beaucoup plus. Ça garde impact en plus. Hein. Ça rigole zéro. Hein. Ça fait les just guard alors que le système a changé pourtant. Ah, c'est launcher, il s'est sorti. Attends, c'est encore un launcher et ça peut être. Oh, elle elle fait la sous-charge. Ça, c'est un vrai coup. Ça, c'est un vrai pif. Et là, boum, sous-charge activée. Il en reste encore un, par contre, full en rendez. Ouais, c'est punition. Il a parfaitement step Xepukai. Là, franchement, il m'a donné envie de jouer. Vous voyez, vous voyez. Après, il bouge bien. Hein. Super cool à matin. C'est ça. Il va avoir vite mal à la tête. En fait, c'est bien de manger, c'est bien de mâcher les chewing-gums quand tu joues. C'est à toi, ça va éveiller en fait. Ah, rigole, c'est pas bien. Si. Ça fait croire à ton estomac qu'il va y avoir de la nourriture, ça fait secréter des trucs qu'il faut pas et ça te donne des balles de crâne. Non, c'est prouvé qu'en fait c'est pour te garder ton esprit vieillé. Machin chewing gum, c'est vraiment bien. Je sais pas si machin chewing gum c'est bien ou c'est pas bien. Elle s'en sort un peu mieux là sur ce round là. Par contre, elle a tendance vraiment à faire tout le temps les mêmes mukubinismes. Évidemment, c'est un peu craqué, mais. Ce qui est fort en tout cas, c'est qu'elle varie beaucoup sur ses Mokunis. Là, tu vois, elle a varié pour mettre l'eau. Elle a cassé l'armure en plus de Sophitia. Elle se rend plutôt bien quand même. Et oui, les jambières qui ont sauté. Mais bon, est-ce que ça va suffire trop tard hein, pour Whiff Punish d'ailleurs cette attaque là? Poil trop tard. Là, bien sûr. Et la phase juste après. Parfait. Chop derrière. Elle peut comboter. D'ailleurs, mettre super même. Oh oui, cette allez, ouais, ça. Largement trop. Plan culotte. Et. Oh, ce plan culotte qui se terminera encore par cette chop. Combien de fois elle a pris cette chop là? Enfin. Non, oh, trop tard pour punir la redescente du saut de Sophitia. Une super dans l'attaque. Merci. Mais il fait vachement mieux. C'est un bouton, hein, franchement. Ouais, c'est un bouton. C'est un bouton. Moi, je trouve ça d'abord exceptionnel, mais finalement, c'est pas trop quoi. Pas si. Normal, hein. Attention. Hein. Oh, mais ah, les dégâts, ça fait mal, putain. Ouais, elle a l'air de déconner zéro, Sophitia. Sophitia bien, les deux sont déludés à présent. Nous ne savons plus sur quel pied danser. Mais Kayane doit dans le rythme. Vraiment pas perdre ce round en fait, parce que derrière, ça risque d'être l'élimination. Elle a bien carotté la shop. Ouais, et c'est elle la shop. Et super derrière. Voilà, ça c'est garanti. Full garantie. Shop super. Et voilà. Alors est-ce que ça va pas la remettre dans une mauvaise position? Non, c'est bon. La position est inversée. Elle a voulu évidemment balayer à la relever.
mais il était certes pas passé. C'était important. Et maintenant, il faut gagner ce set. Absolument. Taper dans le dos, impeccable. Ça lui permet de mettre l'unshot. Lui, la garde est là. Safe. Fla, fla, les variations sont bonnes. Garde. Par contre, elle fait la fente. Ouais, elle fait la fente, elle va prendre super bien la fente. Ouais. Paf ! Foudroyé encore. Pas l'air d'être très agréable de passer pour un paratonnerre. Chauffé, super. Un peu tard. Non, non, non. Ça t'as le programme, t'as le temps et c'est un bouton. Donc, vraiment, c'est inratable de chez inratable. C'est très bien pour passer sur ce deuxième set. Wow, par contre, je prends directement ce plantage. Garantie parfait, le garde impact. Elle n'a pas récupéré assez d'avantages avec le garde impact et elle va prendre choc encore une fois. Pouf, elle souffle un partout. Kayane qui est là. Kayane qui est là. Expressionnel. Annie-Marie. Soul, c'est ton game. Là, on peut rien dire. Là, pour le coup. Ce que tu nous montres, c'est parfait. Ouh, dragon, hein, ça ressemblait à un dragon. Hein. Mais essayer de choper, elle a retombé du dragon quand même. L'eau bien gardée. Fente encore. Là, il va repartir vers l'eau. Vra, tourniquet, fente, on recule. Ça, c'est les coups de Kayane. Hein. C'est comme ça qu'elle bouge. Avec le changement de stance pour venir passer la chope et mettre attaque derrière. Et tu vois, il n'y a pas de super parce qu'elle n'a pas de tout quoi charger. Elle a bien évité la chope en se baissant. Par contre, ça, ça ne tue pas. Le truc, c'est que c'est la relevée. Pas si évident que ça. Il step et il fait son, sa sorte de dragon. Mais t'as vu après la marque que ça fait, ouais, ça fait vachement plus mal que le 3 step de chance. Hein. Toute sa vie. Step dragon, step dragon. Pas après ça, après. Allez, chop, et t'as vu, elle peut mettre que ça, ce qui est pas si énorme que ça finalement. C'est vraiment très rentable lorsque t'as la super. Vraiment fou garantie. Oh ouais, par contre, le tourniquet est évité par step, ouais, step launcher systématiquement. Ça garde haut, donc ça attaque l'eau. Ah, là, il essaie ouais de le faire encore, mais il se l'est fait quand t'as touché, ça cherche la chop spéciale pour mettre super. Voilà, merci. Bon, ça joue sur 3 phases, hein, mais. Ces trois phases, ils peuvent tout simplement emmener en finale. Ah, t'as eu le petit combo OTG, là aussi, petit kick, elle va chercher l'eau. Voilà, ah, encore, ah, encore, bien sûr, bien sûr. Ça mise bien, ça mise bien. Dommage gagnant, hein. Ouais, dommage gagnant, dommage gagnant, dommage gagnant. Double lot, il y a un partout, elle a utilisé ses barres de super, maintenant il faudrait recharger. Qu'est-ce qu'il peut bourrer au milieu des phases? Mais là, c'est Shul Charge qui l'a bourré. Oui, c'est Shul Charge, c'est bon, parfait. Ça. Il veut lui donner beaucoup timing de barres de super, allez, faudra encore taper. Tourniquet, la déchoppe. Elle l'a pas eu, mais voilà, front escape, au moins elle a pas pris tout le. Il a pas pris, je crois, tous les dégâts de la chef. Ça, c'est le 2-hit, 3-hit qui fait des dégâts. Luncher encore un peu simple. Et à deux doigts du ring out. Bon, c'est bon, ça, ça peut revenir. Encore, mais elle avait pas gardé. Ça, elle avait pas gardé. Voilà, là, c'est la grosse difficulté. Il fallait ring out là. Donc, tu vois, quand t'es en grosse difficulté. Balle de match contre ouais Kayane. Elle a, il me semble, chargé de la barre de super en retirant des fringues, il me semble. Tu vois, c'est un peu comme Piccolo qui vide les fringues et peut-être super d'un peu plus disponible. Petit moitié de barre garantie sur une chope. Merci. Et là, la super qui est quasiment rechargée maintenant. Voilà, il va tenter la chope. Évidemment, on regarde, on regarde. Oh, j'ai et super ah, ouais, bon, par contre, là, ça a vidé tout et elle peut plus le refaire, du coup, toute cette phase-là. Mais ça tue. Je crois qu'elle est déshabillée le plus possible. Final round pour les deux. Dernier round possible et les ressources sont très clairement en désavantage. Vous voyez Sophie Kia qui s'est dénudée elle aussi, qui a beaucoup plus de barres de super maintenant d'activer. On a vu hein, que son adversaire avait tendance à pimenter toute sa vie. Aïe aïe aïe. Dégâts, il a deux barres, il a deux barres. Il va chourer sa furie ou quoi? Wow, encore une fois, launcher et chop, oh, ça devrait tuer. Le comeback, le comeback, on y croit. La France. Elle a deux barres, elle a deux Inga barres out en face. L'eau oh et l'eau. Bien joué, L'excitation est à son paroxysme. Donc il n'y a pas de loser là-dedans. L'excitation est à son paroxysme. Je pense que j'ai jamais vu un homme aussi excité de toute ma vie. Pour un jeu qui n'est pas encore sorti. C'est incroyable, c'est flippant. Il n'est pas encore sorti. C'est bien, c'est bien. Sa fibre de mal est ressortie à 2000%. Kayane en loser bracket, mais oui, top 6 en tout cas de ce tournoi pour le moment.